Salut AGH Team. Salut. J'espère que vous allez bien. Nouveau jour, nouvelle séance. On est parti avec Julien aujourd'hui qui va vous accompagner. Je vais le coacher en live en espérant que ça puisse vous permettre de trouver les adaptations qui vous conviennent et surtout de travailler à votre niveau. Voilà. Présentation de la séance. Le petit tableau. Donc, l'échauffement, le skill, pour finir le WOD. Un rap de 10 minutes aujourd'hui avec deux exercices. D'abord, le nombre de reps qui va être croissant. 2 reps, 4, 6, 8, 10, etc. Tu ne t'arrêtes pas à 12. 3 petits points, ça veut dire que tu passes à 14, etc. Je te laisse apprendre à compter en aparté. Burpees, premier exercice. Et derrière, des tuck jumps. Donc, tu vas faire un saut, regrouper les genoux au niveau de la poitrine ou, comme Julien le fait, venir taper les cuisses dans tes mains au niveau du bassin. Voilà. Sur le skill aujourd'hui, 3 rounds avec en premier exercice single arm bottle sot press. Donc le sot press, en fait, c'est un press quand tu es en position basse de squat. Donc on va vous montrer l'exercice tel qu'il doit être fait et surtout avec les adaptations que vous pouvez faire à la maison pour réaliser cet exercice puisqu'il faut avoir le dos bien droit. Donc vous pourrez vous coller contre le mur. On vous montrera l'option avec Julien avec un petit support sous les talons afin de descendre en squat plus facilement. Deuxième exercice, cat cow, donc c'est la position un petit peu du chat qui creuse le dos et gonfle le dos, 10 reps et derrière des back extension, toujours en mode renfo sur le skill. Donc 3 rounds comme ceci. Sur l'échauffement, on commence par des DU ou des simples au choix, tu en fais 25. Ensuite, 25 mountain climbers de chaque côté et derrière les inchworms qu'on connaît bien, la petite pompe, avec le petit étirement qui va bien sur la partie postérieure des cuisses. Prêt, Julien ? Prêt. À l'attaque. Juste une précision, j'ai oublié de le marquer, mais les tuck jumps, c'est 10 à chaque fois. 10 à chaque fois, effectivement. Il n'y a que les burpees qui montent. C'est ça. Ok, on n'a pas de chrono pour l'échauffement. Vous faites 3 tours à votre rythme. Vous pouvez suivre Julien si vous le voulez. Allez, on y va. Les mountain climbers. Donc on vient croiser coude et genoux opposés. Voilà. Une rep de chaque côté égale 1. On va jusqu'à 25. Je laisse compter. Vous pouvez le faire en courant, comme le fait Julien, ou un pied après l'autre tranquillement, à votre rythme. Toujours les épaules au-dessus des mains, abdos et fessiers serrés. Attention, les fessiers ne doivent pas dépasser le niveau des épaules. On part d'une position de planche. Ok, impeccable. Le inchworm. Donc on commence debout. Jambes tendues. Il va poser les mains au sol. Ou en tout cas les approcher le plus possible en gardant les jambes tendues. Une fois qu'il s'approche du sol, il peut les déverrouiller, déverrouiller ses genoux tout doucement, avancer devant, faire la pompe et revenir, jambes tendues autant que possible pour que ça vienne étirer l'arrière des cuisses. 5 répétitions comme ceci. Voilà. On prend son temps. Ça, c'est un exercice qu'on fait très souvent mais qui est assez complet. Donc, j'espère que vous l'aimez. Si ce n'est pas le cas, ce sera bientôt le cas. Allez, encore un. Ok, nickel. On repart pour un tour. Vous pouvez même avoir les épaules légèrement en avant des mains.
pour cette option-là, hein, si vous ne pouvez pas faire de montée de genoux, si par exemple vous êtes enceinte, on part sur des shoulder taps. Voilà. Nickel. Inchworm. Voilà. On prend son temps. Il faut que ce soit propre. Faut que ça tire derrière les cuisses, c'est le but recherché. Nickel. Et ça. Il reste un dernier tour pour cet échauffement. Allez, faites monter le cœur sur les sauts de corde. Timbers. Rappelez-vous que l'échauffement c'est toujours très très important. Il y a beaucoup qui n'aiment pas trop s'échauffer ou faire monter le cardio. Vous pensez certainement la plupart du temps que ça vous fatigue. Au contraire, l'échauffement il vise à faire monter la température du corps pour que les muscles soient prêts à l'effort. Les muscles chauds sont un peu plus souples et plus efficaces. Deuxièmement, faire monter le rythme cardiaque. On va le préparer justement au WOD de derrière. Ça ne va pas être facile. Dernière rep. Allez, on tend bien les jambes. Voilà, super. Ok, donc l'échauffement est terminé. Tu prends ton temps si tu n'as pas terminé. N'hésite pas à mettre pause à n'importe quel moment. Donc là, je te laisse t'hydrater. Moi aussi. Julien aussi, il a le droit de s'hydrater. Donc là, on va attaquer le skill. Les trois exercices, on va vous les montrer. Donc le soft press, là vous avez besoin éventuellement d'une bouteille d'eau ou d'un poids, n'importe lequel, pour vous permettre de réaliser l'exercice. Donc là Julien il a pris une bouteille d'eau, il a aussi pris une paire de chaussures pour permettre de surélever ses talons afin de descendre plus facilement en squat. Toujours plus facile de descendre en squat comme on l'a fait dernièrement à l'échauffement quand on faisait des gag squats avec les talons sur la plate. Là, ça va être un petit peu la même chose. Vous avez vu que c'était beaucoup plus facile de descendre en squat et de garder le buste droit. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va nous faire une petite démonstration. Avec la petite bouteille d'eau. Voilà. Donc il place ses chaussures largeur de hanche. Donc pointe de pied vers l'extérieur. Il va bien ouvrir les genoux, les pousser vers l'extérieur. Et là, voilà, un peu plus sur l'arrière. Voilà. Et à partir de là, boisson ou kettle sur l'épaule et il presse. D'accord ? Donc là, il y a 10 répétitions de chaque bras. Ok ? Voilà. Nickel. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile. Vous n'êtes pas obligé d'avoir encore une fois les chaussures ou un support surélevé. C'est vraiment si votre squat est plutôt là. Forcément, là, on ne va pas vous demander de monter les bras au-dessus de la tête. Vous pouvez aussi le faire avec les fesses un petit peu contre le mur. Ça peut faciliter le travail. Vous faites en fonction de vos possibilités. Deuxième exercice, en position de quadrupédie, autrement dit à quatre pattes. Donc, les épaules au-dessus des mains, les hanches au-dessus des genoux. On va avancer un tout petit peu les genoux, Julien. Avance tes genoux. Voilà, parfait.
Là, il va relâcher son dos en inspirant. Donc, il va venir creuser le dos. Voilà, ça va descendre sur cette partie-là. Et il va expirer en repoussant, en gonflant la partie haut du dos. Il gonfle le plus possible, il repousse ses mains dans le sol. Voilà. Et il va au rythme de sa respiration. Inspire en relâchant, en creusant légèrement. Et expire en repoussant. Donc là, il y a 10 répétitions. Dernier exercice, les back extension, Superman, que vous connaissez très bien. Donc allongé sur le ventre. Voilà. Les bras tendus devant soi. Tac. On relâche. Et on se grandit. Voilà. Comme d'habitude, le but, se grandir et non pas monter le plus haut possible. On serre très très fort les fessiers sur ce dernier exercice. Ok, c'est parti. Il n'y a pas de time. Pareil, vous allez à votre rythme. Écarte un petit peu les choses. Ok, si vous avez une petite plate à la maison, un poids ou autre chose qui peut vous permettre de vous surélever, allez-y. Encore une fois, contre le mur, c'est pas mal. Voilà. Donc là, non seulement c'est du renfo, mais ça vous permet aussi de travailler votre mobilité pour tout ce qui est travail en overhead. D'accord, il y en a beaucoup qui ont de mal avec la position overhead, donc notamment sur les snatchs. Et cet exercice peut vous aider à être meilleur là-dessus, en tout cas à faciliter votre positionnement. Donc ne zappez pas la partie skill, la partie un petit peu accessoire. C'est tout ce qui va nous permettre de renforcer notre corps et le préparer aux mouvements un petit peu plus complexes, tels que le snatch, les overhead. Voilà. Donc là, on fait intervenir des muscles, pour parler grossièrement, qui sont plus petits. Qui vont nous permettre de stabiliser nos épaules. Ensuite, cat cow. Toujours avec la respiration. Là, c'est un petit peu comme au yoga. On travaille avec la respiration. On va expirer lorsqu'on cherche à étirer les muscles. Donc là, on relâche. Et de là, on pousse. On repousse très très fort le sol. Ici, ça doit venir tirer très très fort dans le dos. Vous devez limite sentir votre peau s'écarter, s'écarteler. Pas un exercice rapide. On prend le temps de le faire. Important d'avoir une bonne mobilité au niveau de la cage thoracique, de la colonne vertébrale. C'est une articulation, hein, la colonne vertébrale. Donc elle doit bouger. Plus vous restez assis à la maison, plus c'est problématique. Il faut bouger. Tête Julien, on relâche la tête lorsqu'on repousse. Voilà, on est concentré sur le dos. Si vous faites vraiment bien cet exercice en repoussant à fond, vous allez même le sentir dans les épaules, dans les triceps, parce que vous poussez très fort le sol. Voilà. Donc là, antéversion, légèrement creusé. Et de là, on passe en rétroversion. On aspire le nombril, on repousse. Voilà, le bassin se bascule vers l'avant. Cette position, comme lorsqu'on est au sol, sur le dos, c'est la position holo. Antéversion, le dos arrondi, la cuillère pour basculer. Donc là, il a fait ses 10 reps. Maintenant, renfo au niveau fessier, lombaire, ischio. Voilà. Il nous fait 20 back extension, 20 Superman. Voilà, son rythme. Là, pareil, hein, c'est pas une course. Essayez sur ce genre d'exercice de ressentir les différentes parties du corps qui travaillent. Très important. Meilleure sera votre perception au niveau de votre corps, plus vous serez efficace sur les mouvements divers et variés. Vous saurez quoi engager, à quel moment, pour pouvoir faire des positions nickel. Allez, deuxième tour, on repart sur les sauts press. Voilà. Très bien Julien. Là, il descend beaucoup plus facilement. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de ces semaines, Julien va devenir de plus en plus mobile. Et j'espère que vous aussi. Voilà, si vous êtes sérieux, il n'y a pas de souci. Le travail paye. Voilà, on va chercher bien haut et légèrement derrière. La mobilité, c'est pas que de la souplesse. C'est un placement à l'aide des muscles. Sur une certaine amplitude.
Très bien. Allez, on enchaîne au sol. Toujours pareil, on prend son temps. Travaillez avec la respiration. Il y a toujours beaucoup qui me disent je ne sais pas respirer quand je cours, je ne sais pas respirer quand je fais tel ou tel exercice. C'est typiquement le genre d'exercice où vous pouvez coordonner votre mouvement à la respiration. En faisant attention à ce genre de choses, vous allez voir que ça devient tout naturel sur d'autres mouvements tels que la corde à sauter, des squats, de caler sa respiration sur le mouvement. D'accord ? On va expirer lorsqu'on force. Là, c'est pareil. On repousse le sol, on expire. D'accord ? Tout ça, la respiration doit vous aider à être efficace sur les mouvements. Voilà. Si vous poussez cet exercice à l'extrême, vous poussez, vous pouvez même bloquer quelques secondes. D'accord ? Vous bloquez la respiration et vous repoussez le plus fort possible. Je sais que certains n'aiment pas ce genre d'exercice et ils vont faire ça en 10 secondes, les 10 reps. Ce n'est pas le but de l'exercice. Là, les 10 répétitions, ça doit quasiment te prendre une minute. Aspirez le nombril. Comme si vous cherchiez à plaquer votre nombril contre votre colonne vertébrale. Voilà, on pousse très très fort, on repousse. On repousse. Voilà. Impec. Superman. Très bien. Serre les fessiers, les lombaires. Essayez de ressentir tous les muscles de la partie postérieure en partant du dos, les trapèzes aussi avec les bras devant, les épaules, les lombaires, les dorsaux, les fessiers, hein, très gros muscles, l'arrière des cuisses, les ischios et les mollets. D'accord ? Tout doit travailler jusqu'aux orteils. Ok, il nous reste un dernier tour. Ça vient, ça va super. Tu peux te mettre un peu de profil, Julien ? Pour qu'on voit bien au niveau de l'inclinaison. Voilà. Essayez d'être le plus droit possible à la maison. Pour ça, j'ai proposé aussi l'option du mur. Et si vous n'êtes pas contre le mur, en étant surélevé comme là il est, on se met quasiment au bord du déséquilibre hein, derrière. Voilà. On va essayer de reculer un petit peu. Voilà, il est à la limite de tomber en arrière. Plus on est droit, plus c'est facile. Voilà. Là, on a une petite bouteille d'eau d'1 litre, et je pense que c'est déjà pas mal quand on n'est pas très mobile de travailler avec ce genre de choses. Au fur et à mesure, hein, si vous avez envie de refaire cet exercice, n'hésitez pas à charger de plus en plus, mais toujours de manière progressive. Voilà. Pas si vous l'entendez, mais expiration là-haut. Il inspire. Il expire. Voilà, bombe le torse. Ouais. Ok. Ah, je sais pas qui est ça, ces chaussures, mais l'odeur est insupportable. Ce ne sont pas les miennes, devinez. Pareil, on prend son temps. Si vous faites ça bien, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure des tours, vous allez être capable d'aller de plus en plus loin en faisant moins d'efforts.
pouce, très très haut. Bassin en rétroversion, donc le bassin va se rapprocher un petit peu de ses bras en fait. Voilà, toujours sans bouger les mains. Voilà, expirez à fond. Videz vos poumons complets. Les poumons, c'est comme des petits ballons de baudruche. Plus vous allez leur faire atteindre leurs limites, plus ils vont pouvoir recevoir de l'oxygène, plus leur capacité en fait va augmenter. D'accord? Sauf si tu fumes. Si c'est le cas, arrête direct. Les 20 derniers back extension avant d'attaquer le wod. Toujours avec la respiration sur les extensions. Regard vers le sol. Les bras tendus autant que possible. Voilà. Le top du top, c'est bras tendus loin devant, quasiment biceps aux oreilles. Donc après, ça dépend de ta mobilité, bien sûr. Toujours en contrôle, sans faire d'à-coups. Ok, nickel. Pareil, si t'as pas fini à la maison, n'hésite pas à faire pause, tu continues dans ton coin. Si t'as fini avant, bah, j'espère que t'as fait avance rapide. Nickel. Là, il transpire. Hein. Les petits skills comme ça paraît très très simple, ça paraît même ennuyeux, mais c'est vraiment très très important. Et prenez le temps de le faire, justement, c'est le confinement, c'est pas toujours ce qu'on fait à la boxe, mais on en fait quand même parfois. Et c'est important de bosser ce genre de choses. En tout cas, à la maison, t'as plus le temps, t'es plus dans le mood pour le faire. Ça va bien? Ça va super. Ok, tu voulais partir? Ouais, je vais partir. J'ai un train à prendre, hein, du coup. Ah, okay. Parce que je serai pas là pour le wod. Le petit wod, je le réexplique parce que je l'ai pas très bien expliqué tout à l'heure. On a les burpees qui montent à chaque tour. Tu commences par 2 burpees, derrière tu as 10 tuck jumps. Il y en a tout le temps 10. Ensuite 4 burpees, 10 tuck jumps. 6 burpees, 10 tuck jumps. Ainsi de suite, après 12, c'est 14, c'est pas 3 petits points où tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêteras seulement au bout de 10 minutes. Je pense avoir été assez clair. Si tu ne peux pas sauter, donc tu nous montes un petit tuck jump s'il te plaît. Voilà, donc tu ramènes les genoux à la poitrine ou Julien il aime bien se mettre une cible et taper dans ses mains, tout simplement. Les mains ne montent pas ou elles ne descendent pas évidemment. Tu ne fais pas ça. Tu laisses tes mains au niveau du bassin. Si tu ne peux pas sauter, pas d'impact. Un genou après l'autre, ça peut être en courant ou ça peut être en marchant, aucun souci. Tu adaptes à ce que tu es capable de faire. Si tu as envie de sauter et même monter les genoux un peu moins haut, tu peux aussi le faire. On encourage toutes les options, même plus difficiles, mais paralysées complètement. Pas de questions? Non. Ok, donc petit chrono. Et on est parti dans 10 secondes. On y va, pas mal de trop réfléchir. Yes. Oui, c'est pas un mode facile. Allez, c'est parti. 2 burpees. Ne partez pas comme des malades, c'est 10 minutes. Yes. Allez, 10 tuck jumps. Voilà. Il reste sur la pointe des pieds pour pouvoir enchaîner. Et on attaque. 4 burpees. Au début, ça va vite. Hein. Ouais. Partez sur un rythme dès le départ que vous pouvez tenir jusqu'au bout, quitte à la fin à accélérer si vous êtes vraiment bon. Quand je dis la fin, c'est après les 5 premières minutes. Et 10, impec. On passe à 6. On augmente de 2 à chaque fois. Là, Julien est parti sur un rythme qui est le sien et qui pourra peut-être te permettre de te challenger si tu essaies de le suivre ou au moins te donner une référence, même si tu es plus rapide. Nickel. Ok. Peut-être que j'en ai fait 6. Je pense que tu en fasses. Je
impeccable. On passe à la série de 8. Allez, c'est reparti. Et 8. Ok, on enchaîne. Allez, 8. Impec. Allez, c'est reparti. On attaque les 10 burpees. Ok, impeccable. Et 10. Ok, reste en écran, bien. Il a vraiment envie de partir. Ouais. Hein. Oui. Allez, on attaque la série de 12. Gérez votre effort, d'accord? Essayez de garder un rythme constant. En appeler 4 5 6 allez 7 8 il reste 6 minutes tout pile. Et 12, impeccable, 10 tuck jump. 2, 3, bien gagné. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on passe à 14 burpees. Et oui, ça monte pas mal. Allez, il y a 5 minutes 30. 1, 2, 3, allez, même rythme qu'au départ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 4, 11, 12, 13, 14. Ok. Toi, c'est pas moi, c'est le tapis qui veut se barrer. Il est encore lucide. Il ne donne pas encore à fond. Mec, on passe à la série de 16. Allez, ne lâchez rien à la maison. Comme Julien, voilà, si besoin, une petite gorgée, mais ne buvez pas trop, hein, parce que sinon ça remue sur les tuck jumps et les burpees. Allez, série de 16. C'est parti. Allez, on reste constant. Constant dans l'effort. 3 minutes 50. Allez, t'as encore au moins deux séries complètes. Avec celle-ci. Allez, 5, on va leur le lacer, 6,
Allez-y. 14. 15. Un dernier. 16. Nickel. Allez, il nous reste 2 minutes 45. Oh, il a ses chaussures, il veut se délester. Allez, 1, 2, prends le pied. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Allez, 2 minutes et 30 secondes, la série de 18 burpees. Allez, il va nous finir ce tour, il va nous démarrer la série de 20. Allez, j'y vais. 2. 3. 4. 5. 6. 2 minutes. 7. 8. 9. 10. 11. Allez, Julien. 12. 13. 14. 15. Allez, Julien. 16. 8, 20. 17. Allez, allez, Julien. Dernier. 18. Allez, les tuck jumps. Allez, regarde-moi le jour. 1, 2, super. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Impeccable, il te reste plus que 1 minute. 1 minute. Allez, la série des 20 burpees. Allez, Julien. 2. Voilà, il commence à accélérer un peu. 3. Il va en faire le plus possible. 4. 5. Allez, challenge-toi à la maison. 6. 7. 30 secondes. 8. 9. Allez, Julien. 10. Allez, on enchaîne, on enchaîne. 20 secondes. 11. Allez, allez, allez. 12. Super, il s'arrache. 13. 14. 10 secondes. 15. Allez, Julien. Allez, allez, allez. 16. 5 secondes. 17. 3. 2. 1. Ok, 18. Super. Les images parlent d'elles-mêmes. Il mouille le maillot. Il est comme ça, Julien. Je jette l'éponge. C'est le coach qui jette l'éponge pour le mec. Je vais pas jeter l'éponge. Ça serait Covid, je te l'enverrai sur la tête. Ça serait pas Covid. Ok. Bon, Julien, les impressions? Super impression, magnifique. Ça s'entend. Ça, c'est du commentaire argumenté. Bon, mon souffle se passe de commentaire. Alors, c'est très très bien. C'est pas un WOD facile, hein, clairement, sur le papier. Ça paraît easy. Bon, bon, on fait que des tuck jumps, des burpees. Clairement, c'est assez répétitif. Mais c'est assez ludique parce qu'on a cette petite échelle montante. Donc, c'est vraiment pas mal. Essayez-vous de challenger. Il a quasiment fait les 20 burpees, hein, sur la fin. Je pense que s'il s'était réveillé un petit peu avant, s'il avait vu un peu plus tôt, je pense qu'il a pas cru qu'il pouvait faire les 20 burpees. Je pense. Ouais, c'est pas critique, mais voilà. Donc voilà, essayez de croire en vous, essayez d'attaquer peut-être même un peu plus tôt que ce que vous pensez. Certaines fois, en fait, ça passe, tout simplement. Essayez de vous pousser un peu plus dans vos retranchements. Attention, sans dépasser certaines limites, hein, à la maison, et surtout si vous êtes tout seul. Mais voilà, donnez-vous, surtout si vous avez l'habitude de venir à la boxe, comme d'hab. Voilà, bah, je félicite Julien parce qu'il se donne à fond. En tout cas, j'espère que ça vous booste et que ça vous motive, qu'on fasse les séances avec vous. Donc voilà. Parfait. La force du tic était avec lui. Passez une bonne journée. Que la force du tic saute avec vous. Ah, il était bien, mon tic.